Aujourd'hui, nous avons le Premier ministre qui dit oui, on peut commencer à l'envisager. Aujourd'hui, nous avons le Premier ministre qui dit oui, on peut commencer à l'envisager. Aujourd'hui, nous avons le Premier ministre qui dit oui, on peut commencer à l'envisager. Ça, Trouchka. Aujourd'hui, nous avons le Premier ministre qui dit oui, on peut commencer à l'envisager. Et 이분은 이제 반대파예요. 정부의 반대파이기 때문에 아무래도 크리티케 비판하시겠죠. 정부에서 총리 어떻게 말했다? 어떻게 말했다? Donc aujourd'hui nous avons le Premier ministre. 우리는 총리를 가지고 있습니다. 이렇게 번역하시면 되겠죠. 예. 총리가 있습니다. 어떤 총리가 있어요? 기디 뭐라고 말하는 기디? Oui, on peut commencer à l'envisager. 네, 우리는 on peut commencer à l'envisager. 그것을 여기서 L은 뭘 말하는 거예요? Le port du masque, 그렇죠? L'usage et le port du masque. 마스크 사용하는 거, 그것을 이제 envisager, 이제 도입하는 것을 시작할 수 있습니다. 이 정도로 말하는 거잖아요, 그렇죠? 이제 그것을 이제 고려할 수 있습니다. 그 정도의 뉘앙스잖아요. 아직까지는 총리분께서 왜냐면은 마스크가 확보 안 된 상황에서 이제 바로 의무화할 수 없는 거기 때문에 예, 그랬더니 이제 이 반대파 분께서 이분이 굉장히 말씀 잘 하시는데 Aujourd'hui, nous avons le Premier ministre qui dit oui, on peut commencer à l'envisager. Aujourd'hui, nous avons le Premier ministre qui dit oui, on peut commencer à l'envisager. Aujourd'hui, nous avons le Premier ministre qui dit oui, on peut commencer à l'envisager. Aujourd'hui, nous avons le Premier ministre. Nous avons le Premier ministre qui dit oui, on peut commencer à l'envisager. 그렇죠? 이렇게 말씀하시는데 자, 다음 문장. Eh bien, moi, c'est décidé chez moi. Eh bien, moi, c'est décidé chez moi. Eh bien, moi, c'est décidé chez moi. Eh bien, 예. 그런데 말이죠. 예. Eh bien, moi, 저는요, c'est décidé chez moi. C'est décidé. Décidé. 결정된 거예요. Chez moi. 우리 집에서? 나의 집에서? 예, 아니죠. 이거는 chez moi는 제가, maire로 있는 저의 도시에서. 그쵸? 왜냐면 이분은 maire de Nice예요. Nice. 예. 바닷가 남쪽에 남쪽 바닷가 아름다운 도시 Nice의 maire 시장이시잖아요. 그러니까 chez moi 하면 이제 Nice라고 하는 거죠. Chez moi 이분의 도시 Nice에서는 c'est décidé 결정된 거예요. 그렇죠? 자 일단은 여기 보시면은 이제 maire는 시장이잖아요. 시장. 그러면 아까 우리 봤던 총리는 뭐라고 했어요? 총리는 Premier ministre. 그죠? Premier ministre 라고 하시고요. Premier ministre 하실 때 주의하실 점은 premier 빼가 대문자인 거예요. Premier 빼 대문자로 하셔야 돼요. 근데 ministre에서는 M은 소문자. 네, 이런 것도 주의해 주셔야 되고요. 네, ministre는, 장관들이잖아요. 장관들, ministre. Premier ministre는 첫 번째 장관, 네, 총리가 되는 거고요. 그 대통령은 뭐라고 하죠? 대통령은 président de la République. 네, président de la République. 대문자는 président의 빼 대문자, 그 다음에 République의 R 대문자 해줘야 돼요. 그래서 président de la République. 그리고 le premier ministre는 바로 다른 말로는 chef du gouvernement이라고 할 수 있어요. chef du gouvernement. gouvernement은 정부죠. gouvernement. chef는 chef, chef. 요리사 chef 할 때 그 chef잖아요. 군대에서 chef. 그러니까 le chef du gouvernement. chef du gouvernement 총리를 이렇게 두 가지로 말할 수가 있는 거예요. 예, 정부의 chef니까. 그래서 chef du gouvernement 말씀하실 때에는 이 chef의 S가 대문자 아닌데 gouvernement 할 때 gouvernement의 G는 대문자예요. 아시겠죠? 자, 그래서 le premier ministre est le chef du gouvernement 이라는 우리가 확언을 할 수가 있는 거죠. 자, 그러면은
그 다음에 이제 정부가 있고 정부 안에는 이제 les ministres, gouvernement 안에는 이제 le premier ministre가 있으시고요. 그다음에 ministre가 있으시고 그리고 그다음에 이제 assemblée nationale, 국회, 네, 국회, assemblée nationale 있잖아요. 그래서 한국은 그냥 le parlement, 그렇죠? 국회. 프랑스는 이제 상원 의원, 하원 의원이 있잖아요. 그래서 l'assemblée nationale 있고요. 그래서 아 l'assemblée a 대문자에 대요. l'assemblée nationale 그 안에는 이제 député, le député, 저 les députés가 있으시고 그 다음에 다른 한편으로는 le Sénat 있고 그 안에는 이제 les sénateurs, le sénateur, les sénateurs 이렇게 구조가 이렇게 돼 있는 거죠. 그래서 이분은 maire, 도시, 니스 도시의 maire이신데 굉장히 이분 Christian Estrosi 예, 말씀 잘하시고 예, 굉장히 예, 설득 잘하시는 분이세요. 그래서 자, 그래서 eh bien, chez moi, c'est décidé chez moi. Et je dis au Premier ministre, décidez-le dès aujourd'hui. Et je dis au Premier ministre, décidez-le dès aujourd'hui. Et je dis au Premier ministre, Et je dis au Premier ministre, décidez-le décidez-le dès dès aujourd'hui. aujourd'hui. Je dis au Premier ministre, 총리에게 말합니다. Je dis au Premier ministre, 뭐라고? Décidez-le, 그것을 결정하세요. Décidez-le dès aujourd'hui, dès 오늘부터, 그렇죠? Dès 뭐뭐 하자마자 뭐뭐부터, dès aujourd'hui, 오늘부터 결정하세요.라고 말씀하신다는 거죠. 따라해 보실게요. Et je dis au Premier ministre, et je dis au Premier ministre, et je dis au Premier ministre, décidez-le dès aujourd'hui. Décidez-le dès aujourd'hui. Et je dis au Premier ministre, décidez-le dès aujourd'hui. Et Et je je dis dis au au Premier Premier ministre, ministre, décidez-le décidez-le dès dès aujourd'hui. aujourd'hui. Et je dis au Premier ministre, décidez-le dès aujourd'hui. Et 문제 없죠? 다음 문제. Pour tous les événements qui se dérouleront en France, pour tous les événements qui se dérouleront en France, pour tous. Tous les événements qui se dérouleront en France, tiens, ça, 바로 결정해야 돼요. Décidez-le dès aujourd'hui pour tous les événements, 네, 모든 행사들, 그렇죠? Les événements, 행사, 이벤트, les événements, pour tous les événements qui se, 어떤 행사들이에요? Qui se dérouleront en France, 프랑스에서 펼쳐질, 있을, 네, 프랑스에 있을 행사들. qui se dérouleront. 네, 그래서 펼쳐진 이제 roulé, déroulé 이렇게 펼쳐지는 거잖아요. 네, roulé가 이렇게 동그란 거니까 déroulé 이렇게 펼쳐지는 거죠. 네, 펼쳐진다고 번역하셔야 되는데 이제 déroulé 하면은 대명동사 아니고 déroulé 하면은 펼치다예요. je déroule quelque chose, je déroule 이렇게 말리는 걸 이렇게 펼치는 거예요. 근데 se déroulé 이렇게 대명동사잖아요. 그러면 펼쳐지다 하는 거예요. 그래서 예를 들면은 la scène se déroule 그 씬은 se déroule 그 무대는 그 장면은 se déroule 펼쳐집니다 se déroule à Paris 파리에서 있는 그런 씬으로 펼쳐집니다 그 무대가 이런 식으로 말할 때 사용도 되죠 아무튼 décidez-le dès aujourd'hui pour tous les événements qui se dérouleront en France. 네, 프랑스에서 펼쳐질 모든 행사들을 위해서 바로 오늘부터 결정하세요라고 저는 말합니다. 이렇게 말씀하신 거죠. 들어보실게요. Pour tous les événements qui se dérouleront en France, pour tous les événements qui se dérouleront en France. Pour tous les événements qui se dérouleront en France. Pour tous les événements qui se dérouleront en France. Pour tous les événements qui se dérouleront en France. Catchez vos Pour tous les événements qui se dérouleront en France, pour Pour tous tous les les événements événements qui qui se se dérouleront dérouleront en en France, France. pour tous les événements qui se dérouleront en France, pour tous les événements qui se dérouleront en France, dès demain sur le Champ de Mars à Paris, par exemple. Dès demain sur le Champ de Mars à Paris, par exemple.
dès demain, dès le bouton, sur le champ de Mars, à Paris, par exemple. Hein? Dès demain, sur le champ de Mars, sur l'Eiffel Tower, sur quoi appelle même, dès le bouton, ici, pas, paro, dès demain, sur le champ de Mars, à Paris, par exemple. Alors, bah, smash, Dès demain sur le champ de Mars à Paris, par exemple. Dès dès demain demain sur sur le le champ champ de de Mars Mars à à Paris, Paris, par par exemple. exemple. Dès demain sur le champ de Mars à Paris, par exemple. Dès demain sur le champ de Mars à Paris, par exemple. 들리시죠? 네, 잘 들리실 거예요. 자, 그러면 우리 따라하기 전에 한번 문장을 쭉 들어보실게요. 처음부터요. 네, 잘 들리실 거예요. Le port du masque est l'une des manières de prévenir la propagation de l'épidémie. Donc, je vous confirme que la question de développer l'usage et le port du masque est bien à l'étude. Aujourd'hui, nous avons le Premier ministre qui dit oui, on peut commencer à l'envisager. Eh bien, moi, Oui. c'est décidé chez moi et je dis au Premier ministre, décidez-le dès aujourd'hui pour tous les événements qui se dérouleront en France, dès demain sur le champ de Mars à Paris, par exemple. 네, 잘 이해되셨죠? 한 문장씩 따라하기 해보시겠습니다. 따라하기 하시면 더